Bonjour à tous. Vous ne savez pas quelle est la différence entre le verbe savoir et le verbe connaître? Cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Le verbe savoir est suivi soit par un pronom, donc qui, quand, comment, etc., soit par un infinitif, ou soit par rien. Le verbe connaître, quant à lui, est suivi soit par un lieu, soit par une personne, ou soit par un thème ou un sujet. À présent, voici un petit exercice pour vous aider à comprendre et à appliquer cette règle. Première phrase. Tu sais Marie ou tu connais Marie? La phrase correcte est « Tu connais Marie ?» Pourquoi on utilise le verbe connaître? Parce que Marie est une personne. Et seulement le verbe connaître peut être suivi par une personne. Deuxième phrase. Je sais cuisiner ou je connais cuisiner? La bonne réponse est « Je sais cuisiner ». Pourquoi? Parce que le verbe cuisiner est un infinitif et seul le verbe savoir peut précéder un infinitif. Troisième phrase. Elles savent où il habite ou elles connaissent où il habite. La bonne réponse est elles savent où il habite. Pourquoi? Parce que où est un pronom relatif. Et seul le verbe savoir est suivi d'un pronom. Dernière phrase. Je sais un bon restaurant ou je connais un bon restaurant. La bonne réponse est je connais un bon restaurant. Pourquoi? Parce qu'un restaurant est un lieu et seul le verbe connaître est suivi par un lieu. Vous voulez une vidéo sur un sujet précis? Dites-le nous en commentaire. Pour en apprendre plus sur la langue française, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, l'Atelier du Français.